Tu te sens comme une survivante? Un peu, ouais. En l'occurrence, avec l'insomnie fatale, on a 90% de chance en étant porteur d'en mourir. Mais bon, moi, je me dis toujours que je fais partie des 10%. C'est une maladie qui touche 50 familles dans le monde, mais c'est toujours les mêmes, en fait. Donc imagine que tu dors plus et tu vas petit à petit perdre, petit à petit ou très rapidement, très violemment, perdre toutes tes capacités que tu as acquises tout au long de ta vie. J'ai voulu sauver ma mère. Parce qu'en fait, ça me donnait de l'espoir à moi-même aussi. Tu vas pas t'empêcher de vivre parce que tu vas potentiellement mourir. On va tous potentiellement mourir. Non, c'est une belle phrase, si tu viens de dire. Wesh, ouais, je sais même pas où regarder. Du coup, Victoria que vous allez découvrir en longue vidéo, j'avais reçu sur mon Insta pour me parler un petit peu de son histoire. Une histoire fascinante, je connaissais pas cette maladie et il y avait trop de choses à raconter. Du coup, une petite vidéo ça suffisait pas, on vous a fait une longue interview pour vraiment comprendre en profondeur ce qu'elle vit. Moi je trouve ça fascinant, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, je vous laisse découvrir ça et j'espère que vous allez kiffer. Ciao! J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. En fait, j'étais en deuil toute ma vie. Mon frère, je l'ai. Donc, après ma mère, elle nous a élevés seuls à 3 enfants. Ok. Après, j'ai perdu mon frère, j'avais 13 ans, d'une maladie qui s'appelle insomnie fatale familiale. J'étais encore en deuil. Mon meilleur ami s'est suicidé, enfin, il s'est pendu. Ça, j'ai oublié de t'en parler. Et puis après, mon père adoptif, parce que du coup ma mère a refait sa vie, il est mort pendant le confinement d'une leucémie. Et à l'enterrement de ce dernier, donc de mon père adoptif qui avait donc remplacé enfin, la figure masculine, la figure paternelle dans ma famille, il y a ma tante qui a déclenché la même maladie que mon frère, l'insomnie fatale familiale. Et elle est décédée quelques mois plus tard. Et le nom, il fait un peu peur, hein, insomnie fatale familiale. C'est bizarre, je pense que les gens connaissent pas. Non, non. Et puis c'est un des seuls. Enfin, je connais pas toutes les maladies évidemment. C'est une maladie qui est orpheline, mais c'est une maladie où c'est décrit dans le nom. C'est une insomnie fatale et c'est familial et tu meurs parce que tu peux plus dormir en fait. Donc imagine que tu dors plus et tu vas petit à petit perdre, petit à petit ou très rapidement, très violemment, perdre toutes tes capacités que tu as acquises tout au long de ta vie. Toutes Ouais. tes capacités motrices, toutes tes capacités aussi mentales. Ouais. Donc l'écriture, la lecture, même de parler, de marcher, de bouger un bras, de coordonner, de s'habiller, de faire ses lacets, de tout, et jusqu'à ne plus pouvoir te retenir, enfin pour ne plus pouvoir aller aux toilettes, ne plus pouvoir manger et ne plus pouvoir Ouais, tout. respirer. Ouais. Alors ça c'est vraiment le truc, ça c'est fou, ça annonce vraiment, tu sais que c'est la fin de la fin, quand on te dit, bon, elle a fait une pause respiratoire de tant de secondes, tu dis, bon, alors, le souffle c'est vraiment la dernière énergie vitale, Ouais, dans les souffles. son dernier signe de vie, en fait. Du coup, ma mère, pour me protéger, entre guillemets, à la façon vietnamienne, elle m'a toujours dit, t'inquiète pas, tu pourras pas mourir de ça parce que ça peut toucher un enfant par génération. Bon, je me suis jamais posé la question, mais je pense que moi-même, j'avais pas envie de savoir, en fait. Elle t'a menti, elle savait Menti, que ouais. parce que pour te protéger. Ouais, pour me protéger, pour que je fasse ma vie un peu comme si la vie était un long fleuve tranquille, alors que pas du tout. Tu en veux de t'avoir menti? Là, je l'en ai voulu énormément, 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 énormément. Et d'ailleurs, on a déjà eu une confrontation par rapport à ça. Mais maintenant, je lui en veux plus. Tu en voulais pourquoi? Bah, je lui en voulais parce que du coup, j'ai fait le test pour savoir si j'étais porteuse et du coup, j'ai découvert que je l'étais. Et si j'avais su, j'aurais pas forcément fait mon fils comme ça. Enfin, j'aurais pas. Si j'avais su que j'étais porteuse avant, parce que donc j'ai un fils qui a 5 ans, et du fait que je sois porteuse du gène de l'insomnie fatale, il a 50% de chance à son tour d'être porteur. En fait, c'est une maladie qui touche 50 familles dans le monde, mais c'est toujours les mêmes en fait. Donc en fait, il n'y a pas de cure, on peut rien faire pour le prévenir, enfin, selon la médecine allopathique en tout cas, mais c'est toujours les mêmes qui sont touchés. C'est-à-dire que moi, je le transmets en faisant un enfant.
Mon fils, si jamais il est porteur et qu'il refait un enfant, bah, il va le transmettre. En l'occurrence, avec l'insomnie fatale, on a 90% de chance en étant porteur d'en mourir. Mais bon, moi, je me dis toujours que je fais partie des 10%. Toujours, depuis que je le sais. Depuis que je le sais, en fait, c'est un mindset où je me suis dit, c'est... Déjà, d'avoir... D'avoir, entre guillemets, gratté 20 ans... J'avais combien d'années d'écart ? Moi et mon frère, il est mort à 19 ans. Moi, j'en ai 34. Donc déjà, d'avoir gratté tout ce temps de vie sur lui, alors qu'on mangeait la même chose, on a grandi dans le même environnement, on a eu les mêmes traumas, bah, je me dis, je suis dans les 10%. Tu te sens comme une survivante ? Un peu, ouais. Franchement, ouais. Surtout de voir mourir, en fait, les autres. Et comme je te disais, j'en veux plus à ma mère aujourd'hui, parce qu'il y a un mois, elle est morte aussi de l'insomnie fatale qu'elle avait déclenchée, je pense, quelques mois après sa sœur. Et donc, ouais, quand elle a déclenché, je me suis sentie... comment dire ? Dure, en fait. Trop dure, d'avoir été super dure avec elle. Parce que je comprends d'un côté qu'elle n'ait pas voulu... enfin, qu'elle ait voulu me protéger. Enfin, qu'elle ait voulu que je continue ma vie. Je comprends. C'est juste que... C'est super dur maintenant pour moi de me dire que je suis responsable peut-être de l'avoir transmis à mon fils. Et comme quand on le voit, il est trop mignon, il a 5 ans, il a la vie devant lui. Et me dire même que je vais devoir lui raconter ça. Que je vais devoir à un moment lui dire. C'est super dur. Toi, t'en as jamais voulu à ta mère de te transmettre le gène ? Non. Bah non, parce que c'est pas sa faute. Alors pourquoi tu penses que ton fils t'en voudrait ? Je sais pas. Et elle, tu dirais qu'elle était en paix elle-même, et comment elle essayait de réagir par rapport à toi ? Parce qu'elle savait, elle avait vu autour d'elle. Est-ce qu'elle essayait de te rassurer ? Est-ce qu'elle essayait de te... Elle faisait beaucoup pour me rendre tous les efforts que je lui donnais, parce que j'étais H24 avec elle, mais H24. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai un peu mis en pause ma vie de famille, et je pense que c'est ça qui a fragilisé aussi mon couple, ma famille, mon ex aujourd'hui. C'est que j'ai voulu sauver ma mère. J'ai voulu la sauver parce qu'en fait, ça me donnait de l'espoir à moi-même aussi. Ça me donnait de l'espoir, parce que je me disais, bon, bah, vu qu'il n'y a pas de recherche, je vais faire ma recherche à moi. Et je suis pas docteur, hein, mais je me disais, bah, je vais aller à l'encontre des symptômes, tu vois. Ouais, combattre le truc. C'est, je me disais que le cerveau, c'est une machine à entraîner si elle n'arrive pas à écrire, mais il faut justement la pousser à écrire. Il ne faut pas la laisser perdre la capacité, en fait, parce que j'avais vu sur mon oncle, sur ma tante et mon frère, que bah oui, en fait, à partir du moment où ils étaient malades et que ça devenait vraiment fatal, tu vois, ce côté fatal dans insomnie fatale, c'est vraiment ça, c'est que tu vois que c'est fatal. Et moi, je voulais aller à l'encontre, je ne voulais pas être fataliste, justement, je voulais aller à l'encontre de ça, je voulais l'entraîner. Je voulais l'entraîner, donc elle me le rendait grave bien, hein, mais je voyais que c'était... Je lui demandais beaucoup, quoi, d'efforts. À quel moment tu t'as accepté que c'était fatal ? J'étais dans le déni. Jusqu'au jour où ma soeur, elle m'a dit, non, mais t'es au courant que... Enfin, moi, elle est allée aux toilettes et elle a fait tout à côté, en fait. C'est que toi, tu veux pas le voir, mais elle est en train de perdre ses capacités, etc. Et ça va être hors de contrôle pour toi. Il faut que je te protège, il faut qu'on la mette dans un hôpital. Enfin, elle est malade, en fait, Victoria. Elle est malade, c'était pas... C'est ta sœur qui t'a fait réaliser ? T'es pas neurologue. Ouais. Ouais, ma sœur, mon ex aussi, qui m'a dit, t'es en train de prioriser la vie de quelqu'un qui est mourant, en fait, à la vie de ton fils, parce que tu t'occupes plus de ton fils. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté, entre guillemets, de m'occuper d'elle, et elle est allée à Charlefoy. Elle arrive à l'hôpital. Ma sœur, elle était... Voilà, elle dit, bah, elle ne peut plus marcher, c'est comme ça, comme ça. Et apparemment, donc ma sœur m'a bien raconté, hein, elle s'est levée. Tu vois, elle s'est vraiment levée. Je peux me lever ? Vas-y. Ah, elle s'est levée, tu vois. Elle a fait un moonwalk, tu vois. Elle savait plus marcher, elle pouvait plus se lever, soi-disant. Elle a fait comme ça, elle a marché, elle a fait un demi-tour, et hop, elle s'est rassise sur sa chaise, tu vois. Et ensuite... C'était un truc... Bad bitch, tu vois, arrive à lui montrer que... Ouais, voilà. Tu vois, non, mais c'est pour ça, la force qu'elle avait jusqu'au bout. Hein. Ouais. Elle avait une force, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, dans le cerveau, il y a des choses qui sont quand même mystérieuses et qu'on...
qu'on ne sait, enfin voilà, qu'on ne peut pas expliquer. Et est-ce que tu penses que tu vas réussir à avoir le courage que ta mère a eu, toi, pour ton fils? Dans le sens, si jamais il déclenche? Ouais, ou si jamais toi tu déclenches, ou lui dire ce que ta mère t'a caché, tout ça, quoi. Ah ouais. Ouais, bah je t'avoue que je redoute ce moment. Je suis contente, là je profite, tu vois, parce qu'il est petit et tout ça. Mais c'est sûr que ça me fait peur de lui annoncer. Mais la dernière fois, tu sais, parce qu'il est, il est quand même très, 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 très intelligent. Ouais. Tu vois, et la dernière fois, il me dit, mais... Il me parlait de mon frère, alors que, enfin, franchement, ça, enfin, je trouve ça un peu incroyable qu'il arrive à me dire des choses comme ça, tu vois. Ouais. Il dit, mais ton frère, quand il perdait la tête, parce que, tu sais, c'est donc ça un des premiers symptômes, c'est que t'as l'impression que la personne, elle devient folle, sénile. Ouais. Il oubliait beaucoup des choses, parce que moi, parfois, j'oublie des choses. Et tu vois, tu t'es là, pourquoi tu me dis ça, tu vois. Ça me... Je pense qu'il y ressent, peut-être. Ah, il ressent. Mais il ressent. Il ressent, mais après, tu vois, moi, je me... C'est le truc le plus dur, je pense. Tu vois, là, justement, là, tu mets le doigt sur le truc le plus dur, mais vraiment le plus dur pour moi. C'est ça, c'est mon fils. C'est le truc le... Tu vois, la rigueur, en fait, moi, j'ai même pas peur, même si je pense pas à demain, mais même si un jour, je me dis, ah, ça se trouve, vas-y, demain, je vais mourir de ça, ou je vais te déclencher, ça me fait pas peur tant que ça de mourir, entre guillemets. Tu vois, mais vraiment, que mon fils déclenche de vivre, d'être à la place. Tu vois, si, imaginons que c'était un film, tout ce que je viens de te raconter, l'histoire de ma famille. Et que hop, ça devient moi le personnage de ma mère et que je perds mon fils. Mais pff, mais non, ça par contre, je sais pas comment je surmonterai ça. Honnêtement, je sais pas. Enfin, je sais pas, ça me fait trop peur. Je sais pas comment elle a fait, elle. Tu te souviens ce que t'as ressenti quand t'as appris? J'étais, je pense, vraiment, on peut dire, au fond du gouffre. Mais vraiment. J'étais au fond du gouffre, j'avais envie de me. Enfin, franchement, j'avais limite envie de me suicider, je crois. Enfin, j'avais. Jamais je l'aurais fait. Mais j'avais des idées comme ça. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas et tout. Parce que du coup, ça te renvoie. Quand tu vois Insomnie Fatale Familiale, j'avais pas encore ma mère qui était déclenchée. Je venais de voir mourir ma tante. Donc en plus, qui était. Elle, vraiment, tu vois, j'ai des images d'elle, tu vois, le cri de Munch. Ouais. Ouais, comme ça. Mon frère, et ça te renvoie à ça. Tu te dis, ah, donc je suis la prochaine en fait. À quel point tu dis aux gens que t'as cette maladie? Bah, je le dis pas. Ok. Je l'ai dit, j'ai fait un post récemment là sur Instagram parce que c'était la journée internationale des maladies rares et que justement le but de l'association, donc c'est Neuro IFF France de ma sœur, c'est de faire connaître cette maladie, de faire avancer la recherche par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Du coup, je l'ai annoncé officiellement sur les réseaux récemment. T'as fait ton coming out de la maladie. J'ai fait mon coming out. C'est exactement ça. Mais après, tu vois, je vais pas le dire à un mec que je rencontre. Enfin, c'est pas. Tu vois, je me vois pas mort avec quelqu'un. Enfin, je vais dire à quelqu'un, bah ouais, t'es en train de tomber amoureux de quelqu'un qui est porteur d'une maladie. C'est pas grave. Oui, non mais bien sûr que c'est pas grave. Mais la personne, enfin, tu vois, nous on est dans des âges où les hommes, ils veulent des enfants. Ouais, mais donc en gros, on peut faire un enfant, mais il faut faire une FIV pour qu'il soit pas porteur. Enfin, tu vois, mais attends, tu vas pas t'empêcher de vivre parce que tu vas potentiellement mourir. On va tous potentiellement mourir. Non, c'est une belle phrase que tu viens de dire. Non, mais vraiment, il faut pas que tu. Non, et en vrai, c'est le concept. Mais tu vois, par rapport à ça, je sais que j'ai encore un peu un travail à faire. Bah ouais, mais c'est trop dommage. Parce ouais, que, enfin, de toute façon, je vais mourir avant toi et je vais vivre une vie. Non, tu peux pas te fermer à ça, ce serait trop, trop bête. Et tu trouveras quelqu'un, faut le dire, hein, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui t'aime pour ça, mais tu sais. Enfin, t'as toujours le droit d'être aimé. De... Non, mais je sais. C'est gentil. Putain, j'ai l'impression, tu vois, c'est marche mieux qu'un psy. C'est gratuit en plus. Profite. Je te jure, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire, mais. C'est vrai, je pense que j'ai encore un travail à faire là-dessus, dans le sens où j'ai m'aime beaucoup, tu vois. Franchement, je m'aime, même en tant que femme et tout, j'ai retrouvé ma féminité, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je suis à l'intérieur et à l'extérieur, tu vois, mais c'est juste... Je pourrais pas infliger ça à quelqu'un. Tu infliges pas, tu sais, c'est... Pour le moment, en tout cas, enfin, tu vois, c'est un cauchemar, vraiment, je t'assure. C'est un cauchemar, tu sais que ça a été décrit comme The Worst Disease on Earth, par Vice. C'est drôle, un peu. L'article est très drôle. L'article est très genre, sensationnel, tu vois. Mais en vrai, quand t'es aux premières loges de ça, tu vois le truc.
Ouais, mais t'es trop dur avec toi-même. C'est, ouais. T'es pas responsable de ça. Comme toi, tu aurais jamais reproché à les gens que t'aimes d'avoir la maladie. Donc il y a aucune raison que les gens qui t'aiment te reprochent. Puis surtout, c'est en fait, c'est pas parce que tu vas mourir que tu dois t'empêcher de vivre. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pour tout le monde d'ailleurs. Parce qu'on va tous mourir. Ouais, et ça se trouve, moi avant toi, hein. On regardera les archives dans la tête. Ah, putain, le con. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi j'ai un pote qui m'a dit, mais tu vas tous nous enterrer. T'as encore survécu là de tout ça et t'es encore. Et en fait, à chaque décès, les gens me disent, mais t'es encore plus. T'en ressors en direct, tu ressors avec encore plus de force. Toi, t'es là, bah ouais, en fait, c'est ce que mes parents m'ont donné. Ouais. Le courage, la force. Et surtout, je peux pas faiblir et je pense, tu vois, si j'avais pas mon fils, peut-être, ça aurait été différent. Mais là, le fait d'être maman d'un enfant de 5 ans, tu peux pas être en dépression, tu vois. Non. Je dis pas, enfin, je comprends très bien les gens qui sont en dépression, c'est pas ce que je veux dire. C'est... Non, mais tu vas faire la bonne daronne vietnamienne, t'inquiète, tu vas filer droit. T'imagines, tu peux pas, qu'est-ce que tu transmets? Non, c'est sûr. Après, il faut pas t'empêcher de vivre, hein. Je reste là-dessus, mais ouais. Tu vois, genre, t'as trop le droit d'aimer, d'être aimé, il y a plein de gens qui t'aiment pour qui tu es avec un défaut qui n'en est même pas un. Tu vois, c'est pas parce que t'es potentiellement malade dans le futur que tu peux pas partager des bons moments et vivre l'instant présent pleinement avec des gens qui seront ravis de partager avec toi. Ouais. Tu sais, l'amour, il s'additionne. Si tu donnes pas cet amour, il n'existera pas. Oui, c'est sûr. Donc en fait, c'est juste du bonus d'aimer les gens. T'as raison. C'est trop beau ce que tu viens de dire.